Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle, la politique fédérale. Est-ce qu'il y aura des élections cet automne ou cet hiver? Allons-nous attendre peut-être le budget de mars 2011 avant de renverser le gouvernement Harper ou que M. Harper directement nous porte en élection? Le prochain vote de confiance, c'est quand pour le gouvernement fédéral? Alors, pour répondre à toutes ces questions et à plusieurs autres, je reçois le député fédéral du Bloc en Abitibi-Témiscamingue, M. Marc Lemay. M. Lemay, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. M. Lemay, la réponse, c'est non à votre première question. OK. Il n'y en aura pas d'élection. Est-ce que vous allez vous présenter à la prochaine élection? Oui, oui. Non, mais vous m'avez dit que ma première question, c'est non. Fait que non, vous non, la pose, non. À votre première question, pose. Non, mais vous avez posé votre question à l'entrée, okay. Moi, je vous réponds non. Soyons et la réponse, c'est oui. Soyons sérieux. Et la deuxième, oui. Moi, mon investiture est déjà faite, alors. C'est élection, bon. Justement. Élection, d'après vous, là, pour le Bloc et le parti d'opposition, et les partis d'opposition, est-ce qu'on peut se rendre jusqu'au budget? Ah oui, oui, il n'y a aucun doute. Si on regarde ce qui s'est passé, j'imagine que vous allez m'entraîner là-dessus avec le registre des armes à feu bientôt, celui qui a subi la pire défaite, bien évidemment, c'est le NPD. Parce que le NPD n'a pas été capable de se brancher. Et là, quand on regarde les sondages qui ont sorti à la suite du vote pour maintenir le registre des armes oui, parce à feu, que c'est 6-6. Ça a été l'enfer. Okay. Et aujourd'hui, on sait que le NPD perdrait à peu près autour de 15 à 18 comtés. Sur 39, ça en fait pas mal. Oui. Ils se retrouveraient peut-être avec 20. Alors, ces 20-là, ces 18 ou 15, en tout cas, peu importe, iraient où? Alors, c'est tout là le débat. Et on sait qu'on va faire une élection l'année prochaine, probablement, possiblement, peut-être, pour 25 comtés. Parce que c'est ça qui manque à la majorité. Monsieur Lemay, le prochain vote de confiance envers ce gouvernement-là, on ne se rendra pas au budget. Oui, c'est le budget. Oui, oui. C'est le budget. Oui, oui. Il n'y aura pas de vote de confiance d'ici au budget. Bien, le gouvernement peut déterminer que c'est un vote lui, de confiance. Lui peut le dire. Oui, mais okay. Pour l'instant, en tout cas, dans la boule de cristal que l'on voit, et Dieu sait que 6 mois en politique, c'est une éternité, mais ce qu'on voit pour l'instant, là, je vous dirais, il n'y a rien qui pourrait s'approcher d'un vote de confiance. Toutes les crédits budgétaires ont été votés, parce que les votes de confiance, c'est sur le discours du trône et tous les crédits budgétaires. C'est ça, alors ça a été voté, il ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Il va rester le budget. Et ça, probablement, le budget va être au mois de mars. Parce qu'il reste un fait, M. Lemay, quand même, que... Est-ce que vous seriez surpris que M. Harper déclenche des élections? Parce qu'il est en selle, M. Harper, il faut dire. Parce que là, est-ce qu'on aurait un gouvernement majoritaire, peu importe lequel, est-ce qu'on aurait... Non, la réponse est non. C'est non? Aujourd'hui, non. Okay. C'est sûr, sûr. Ça, c'est non. Et la seule question qui se pose, M. Lacan, c'est pas compliqué, l'Ontario va voter de quel bord? Parce que oui, c'est l'Ontario. C'est l'Ontario. C'est 108 qui, comtés. Qui décide si c'est un gouvernement minoritaire ou majoritaire et c'est aussi... Alors... C'est aussi qui va être nommé. Et voilà. Exactement. Alors, c'est l'Ontario qui va déterminer. C'est l'Ontario qui va décider. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, là, au moment de l'enregistrement de cette émission-là, aujourd'hui, je vous dirais que c'est moitié-moitié. Dans la couronne de Toronto, les libéraux 50-50. feraient probablement des gains dans la couronne de Toronto, la grande couronne. Mais dans ce qu'on appelle le fameux 705, je pense que le code régional, là, 705, alors probablement que ce seraient les conservateurs qui maintiendraient leur appui. Mais le parti qu'on surveille beaucoup, celui qui a tout à perdre d'une élection rapprochée actuellement, là, c'est le NPD. Ah, ça, c'est clair. Au Québec, nous, oui, on lui, pense avec que le vote... Ah oui, avec le vote sur le registre des armes à feu, qu'on va parler un petit peu tantôt. Monsieur, un peu? Un peu. Monsieur Lemay, moi, je lis le journal, vous savez, à tous les jours, oui. De la page 1 à la page des sports, incluant la page des sports. Mais j'ai sursauté un petit peu lorsque j'ai vu qu'il y avait un message embêtant pour le Bloc ou l'adjointe politique du député Yvon Lévesque qui a comparé la crise d'octobre à la prise de la Bastille. Parce que quand on compare la prise de la Bastille, c'est une révolution pour la démocratie avec excès, tandis que la crise d'octobre, c'est un acte de terrorisme. Ça se compare pas. Non, non. Vous avez été mal à l'aise avec ça et votre chef a dû être très mal à l'aise avec ça. Là, je ne veux pas faire une polémique avec ça. On va aller vite, Ça se passe un jeudi après-midi à 14h08 ou 14h09, une des dernières interventions. On appelle ça des déclarations de députés. On en a trois par parti entre 14h et 14h15, début de la période de questions.
Et soudainement, le député de Lévis-Bellechasse, le grand Stephen Blaney, se lève et dit, « Monsieur le Président, batatata, ce que vous venez de dire. » On est allé voir. Et là, bien évidemment, j'ai dit ça, c'est impossible, ça se peut pas. Si c'est ça, ça va brasser, puis bon, etc., etc., on va aller voir. Et quand on a vu ce qui s'est dit effectivement sur sa page Facebook, et malheureusement, la session, il y a eu l'ajournement, et toute la semaine, on ne l'a pas passé au Parlement, donc on n'a pas pu revenir là-dessus. C'est un immense pétard mouillé que les conservateurs ont essayé de mettre de l'avant pour discréditer le Bloc, mais ça n'a aucun rapport. Jamais, et je le répète encore une fois, jamais, le Bloc n'a supporté des prises d'otages, n'a supporté des enlèvements et n'a supporté des meurtres. Jamais. Je te garde, jamais. C'est pas compliqué, ça, là. Ça ne faut pas? Ben non. On a toujours dit, puis moi, en tout cas, je pense être un démocrate et je la respecte, et je pense que si on veut accéder à la souveraineté au Québec, ça va se faire par la démocratie. Il va falloir que les Québécois se prononcent majoritairement. Alors, c'est pas avec des mitraillettes, puis c'est pas avec des AK-47, c'est pas avec des Uzi, puis c'est pas avec des Kalachnikovs qu'on va faire la souveraineté. Regardez l'Afghanistan, là. Regardez l'Irak, là. On a-tu besoin de plus d'exemples que ça? Regardez tout ce qui se passe en frontière du Congo, là. Alors, ça règle pas, là. C'est pas comme ça qu'on va régler les okay, on va passer à un autre dossier, monsieur... Allez-y. Lemay. Il m'attend. Oh, avec quelques enregistres des armes à feu, ça va venir. Ça va venir. Vous gardez ça pour la fin, parce que vous attendez que les chasseurs rentrent. Les Smarties, c'est quoi? Les Smarties, c'est quoi? On en garde une pour la fin. Oui. Monsieur, c'est excessivement important, monsieur Lemay, vous en conviendrez aussi avec moi, parce que j'ai lu des fils de presse où vous avez donné votre opinion sur ça et vous n'étiez pas content, mais pas du tout, du tout, et avec raison. La fameuse date butoir du 31 mars 2011 sur les projets d'infrastructure, ça représente au-delà de 500 millions. Ça se peut pas que ça s'arrête au 31 mars 2011. Ça, là, c'est conservateur. Écoutez bien ça. Là, les conservateurs ont décidé eux autres que la récession prenait fin le 31 mars 2011 à minuit. Que la crise économique était finie et sera terminée le 31 mars 2011 à minuit. Donc, on n'a plus besoin de projets. Et que les projets qui ne sont pas complétés, tiens, débrouillez-vous comment. C'est d'une aberration totale, insignifiante, qui est inqualifiable. Moi, c'est sûr que je me suis levé parce que quand je regarde une région comme la nôtre, l'Abitibi-Témiscamingue, ça représente beaucoup d'argent. Sinon seulement ça représente beaucoup d'argent, mais la crise économique, je m'excuse, là, n'est pas passée. Je m'excuse. Y a-tu quelqu'un qui va m'annoncer, là, peut-être, là, entre le moment où on enregistre puis le moment où ça va être diffusé, que Tembec est relancé puis que c'est parti puis qu'ils ont eu 300 millions puis que ça roule à mort puis que toutes les usines sont réouvertes? On aimerait ça, par exemple. Ouais, mais la crise forestière est encore pleinement active. Oui. Il faut absolument... Puis moi, la crise forestière, une partie de la solution réside dans le redémarrage des entreprises comme Tembec, comme Temlam. Il faut absolument... Écoflam au Témiscamingue. Il faut absolument que ça parte. Si ça part pas, là, la crise forestière n'est pas terminée. Et s'il faut que j'ajoute à ça la crise agricole, voyons donc, y a-t-il quelqu'un qui va me dire que c'est terminé? C'est pas vrai. Donc, on a besoin de quelque chose pour maintenir et relancer l'économie, puis ça, c'est les programmes d'infrastructure. On nous a dit, oui, on a investi 15 milliards, parfait. On a mis le Canada et le Québec en chantier, vous l'avez vécu, tout le monde l'a vécu, ceux qui sont allés se promener cet été, là, on n'a pas besoin, puis c'est pas encore terminé. Nous autres, on le vit dans le parc de la Vérendrye, regardez, il y a un bout de Québec. Il était temps que ça se fasse. Mais là, c'est pas là. Mais, à ce que je cherche, on a un hiver, là. En tout cas, dans mon temps, on avait une. Généralement, elle commence vers la fin novembre, dans le bout de novembre, là, et elle se termine d'habitude vers la fin mars, dans le temps de Pâques. Hein, d'habitude, c'est fini. On peut pas bâtir, ça coûte une fortune poser. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a des travaux qui sont déjà engagés. Je regarde le centre d'exposition à Rouen, je regarde, bon, ben, je peux vous en nommer, là, il y en a. Ça veut dire, M. Lemay, qu'on a commencé des travaux. Oui. Puis, si au 31 mars 2011, ils ne sont pas terminés, c'est fini. Non. Non? C'est quoi d'abord? Si vos travaux ne sont pas terminés au 31 mars 2011, nous, le fédéral, on ne paye pas. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Oui, je comprends. Alors, ça veut dire que le tiers, vous calculez. 33 % du fédéral, vous ne l'aurez pas. C'est ça. Fait que sur 100 millions, Non, mais ça fait 500 millions. C'est le même qui dit qu'ils vont sauver 500 millions. Donc, ça n'a pas de bon sens. Nous, on leur dit. Puis là, écoutez,
Moi, je pense qu'ils vont reculer. Ça a commencé avec, parce que là, il y a les boucliers se sont levés, puis là, je veux dire, pas juste le bloc, là. Mais là, les autres partis d'opposition ont commencé à réagir, puis là, ça les a pris un peu de temps, parce que les autres, ça a pas commencé de même dans d'autres régions du Canada. Mais au Québec, ça a levé tout de suite, parce que nous autres, on le voit, il y a des projets qui seront pas complétés. C'est clair. Écoutez, on nous demande de faire des demandes de soumission d'un Trudeau à l'autre, d'un océan à l'autre, parce que les programmes pan-canadiens. Alors, il faut envoyer des soumissions, il faut demander des soumissions. Si quelqu'un vient de Vancouver pour soumissionner sur un projet en Abitibi, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tout ça, là, on aurait pu régler ça. Il y a faute de main-d'œuvre, beaucoup, parce que tout le monde travaille. Ben, on a le plus bel exemple avec Dave Kion. Ça ne rentre pas dans le programme. Je suis d'accord, eux autres, ils ont jusqu'en 2013 complété les travaux. Oui. Sauf que Dave Kion, si on avait commencé au début d'octobre, ça coûtait 30% de plus. Alors, en commençant au début de novembre, parce que là, ils vont pouvoir commencer avec des choses qui sont en train de s'installer, là, on peut réduire les coûts. Mais tout le monde, je m'excuse, là, mais tous ceux des travailleurs de la construction, là, j'en connais pas beaucoup qui ne travaillent pas de ce temps-ci. Écoutez, Odette et Knight, nommez-les toutes, le Promec autres, Moreau et autres, Dubé, nommez-les toutes, là, ils sont toutes. Alors, qu'on nous donne une chance. Nous autres, ce qu'on a dit, puis le gouvernement a commencé à réagir, là, ils ont dit les mots. Les projets virtuellement complétés, on va être raisonnable. Virtuellement complétés. Alors, nous autres, on s'est... Ça, c'est un beau mot. Ah, c'est un beau mot, ça. Alors, nous autres, ce qu'on a dit, c'est... Vous allez nous définir c'est quoi virtuellement. Et là, M. Stroll, qui est d'ailleurs l'ancien ministre des Affaires indiennes, parce qu'il a changé de place durant l'été, est maintenant de ministre des Infrastructures et des Transports, donc responsable de ce dossier-là. Et là, vous ne me verrez pas souvent donner des fleurs, là, mais ça, c'en est un qui en mérite. Là. Lui, il a été intelligent, il a compris, il a dit, ouais, là, écoutez, on va regarder, on va être logique. Écoutez, bon. Et là, moi, j'ai l'impression que le dossier, même s'il n'est pas entièrement attaché, je suis à peu près convaincu que le gouvernement fédéral ne peut pas se retirer de main. Et ils en mangeraient toute une. Et là, nous autres, ce qu'on se dit, c'est... Puis je veux pas faire de game politique là-dessus, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les travaux d'infrastructure engagés soient complétés. Oui, ça sera peut-être pas terminé le 31 mars, mais écoutez, donnez-moi jusqu'au 31 juin, puis ça va être fait. Bon, ben regarde, let's go, mon homme. Ouais, on va y aller pour le 32 juin, ouais. Parce qu'il n'y a pas de 31 juin. Bon, Monsieur Lemay! 1er juillet, la fin du Canada. OK, voilà. Inauguré, allez, bon, ben, voilà. Viendrez l'inaugurer. Monsieur Lemay, si on termine pour les projets d'infrastructure, d'après vous, est-ce que vous pensez que ça devrait s'extensionner? Oui. Je pense que les projets... Il le faut, oui. Oui, les projets. Est-ce que vous... Moi, je suis convaincu qu'ils vont... qu'ils n'auront pas le choix. Ils n'ont pas le choix, c'est clair. Monsieur Lemay, dernièrement, là, on sait que le Canada n'a pas son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est, en parenthèse, c'est bien grave ou bien non, c'est pas plus grave que ça? OK, je vous explique rapidement. L'ONU, c'est les 160 ou 170 pays là, qui sont assis. Il y a un Conseil des ministres. Ça, c'est le Conseil de sécurité des Nations unies. Il faut que tu sièges au Conseil. Si tu sièges au Conseil de sécurité, c'est lui qui détermine les demandes d'arrêt de guerre, qui envoie les casques bleus, qui bat, etc. C'est vraiment, on l'appelle ça le Conseil des ministres. Et une fois par 10 ans, il y a 5 sièges qui se libèrent parce qu'il y a des membres permanents, mais il y a des membres temporaires qui sont là pour 10 ans. Alors, eux, là, et le Canada a toujours, depuis 1945, depuis la fondation de l'ONU, a toujours été élu à toutes les donc, fois là, qu'il le demandait. Une première c'est la première fois en toute l'histoire. C'est une véritable gifle sur la politique extérieure du Canada. Et ça, là, ça a commencé, je vais vous dire exactement quand. Vous rappelez-vous la fois où M. Harper devait aller prononcer un discours à l'ONU et qu'il a préféré aller prendre un café au Tim Hortons dans le coin de l'Ontario et que c'est un fonctionnaire du Canada qui était des affaires extérieures, qui est allé prononcer la conférence. Même pas le ministre, oui. C'est un fonctionnaire. Parce que M. Harper a décidé qu'il allait au Tim Hortons. Ça a commencé là. Le fait que dit, hey, c'est quoi le sérieux du Canada envers l'ONU? Ça s'est continué avec la conférence de Copenhague sur les changements climatiques. Personne ne comprenait la position du Canada. Ça s'est continué avec le fait que le Canada est l'un des deux seuls pays qui n'a pas reconnu la déclaration des peuples autochtones. Et là, le monde ne comprenne pas. C'est le Canada qui a travaillé pour rédiger la déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones, puis il refuse de la signer. Là, le monde, ils comprennent pas. Et ils comprennent pas c'est quoi la politique du Canada. Vous, là, le Canada, vous étiez avec les casques bleus. C'est pas vous autres qui avez inventé ça. C'est vous autres qui avez mis ça en place. M. Pearson, je pense, hein, lui a été...
À ce que je sache, c'est ce gars-là qui a eu le prix Nobel de la paix en 67, M. Lester B. Pearson. Oui. Aïe, aïe! Mais là, vous n'êtes pas capable de vous... Vous êtes rendu un pays belligérant. Au lieu de maintenir la paix, de vous interposer entre les belligérants, vous êtes rendu que vous imposez la paix. Là, il n'y a plus personne qui comprend. Alors, quand tu arrives avec ça, après ça, ben, tu as eu la conférence du G8, G20, qui n'a pas voulu mettre une scène pour les pays d'Afrique, le Canada. Alors là, ça veut dire que tout ça mis ensemble... Ça boite depuis ce temps-là. Ah, oui, puis, oui. C'est la raison pour laquelle ils se sont dit que cette année, le Canada n'aura pas son siège. Une campagne pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, tu ne décides pas ça 6 mois à l'avance. Tu y vas plusieurs années à l'avance. C'est exactement ce qu'a fait le Portugal. C'est ce qu'a fait l'Allemagne avec Mme Merkel. Et tu te décides longtemps d'avance. Et là, tu prends des dispositions. Tu rencontres des ambassadeurs, t'expliques c'est quoi, tu leur expliques. Et tu dis c'est quoi le Canada. Et tu montres des gestes. Écoutez, la seule fois qu'on a entendu parler de la déclaration des peuples autochtones, c'est dans le dernier discours du trône qui va faire un an maintenant. Et on avait dit qu'on allait la signer, l'a jamais signée. Donc, ça veut dire que pour le simple commun des mortels... C'est sûr que ça ne changera pas grand-chose. Ça changera pas le mais monde. Mais ce n'est pas une bonne mais image. C'est pas une bonne image pour le Canada. Voilà. C'est pour ça. Ceux qui se promènent à travers le monde, on se fait poser des questions. Monsieur Lemay... êtes-vous au courant? L'entrevue est terminée? Non, c'est parce que là, il nous reste ce petit point à parler. Ah, justement, c'est important. Le petit point, tu sais, là, que, ben, d'accord, il me semble, moi, qu'il y a un petit livre très, très, très minuscule qui s'appelle le Registre des armes à feu qui est rendu à 2 milliards au-dessus aujourd'hui. Oui. Bon, vous avez déjà été contre. Ça, j'ai je été dois contre. De le rappeler. J'ai vous avez été déjà contre été contre et votre chef vous a donné une bonne tape sur les doigts. Non, j'ai il été a dit, contre. Marc, range-toi, non, j'ai puis été va-t'en contre. Dans l'arrêt à même place que les autres, j'ai été puis contre. Marche de même pas que les autres. J'ai hein? été contre le fait qu'on verse 87 millions pour continuer et à... Et mon Dieu, puis là, on est rendu à 2 milliards. Non, attendez un peu. Le 2 milliards était là avant que j'arrive. Okay. Là. Mais moi, je voulais plus qu'on en mette, là, c'était assez. Et ça, je me rappelle très bien. Ouais. Et là, aujourd'hui, le registre coûte 4 millions par année pour le faire rouler. Bon. Il roule. En tout cas, bon. Disons que vous avez déjà été contre, vous êtes pour aujourd'hui par une bonne tape sur les doigts. Non, par une ligne de parti. Ah, par une ligne de parti. C'est clair. Elle donnait une tape sur les doigts. Monsieur on va y revenir. On va y revenir. Monsieur Lemay, trêve de plaisanterie, comme on dit, parce que c'est quand même très c'est sérieux. C'est très important. Pour nous aussi, c'est bon, très... On sait qu'il y a eu un vote en Chambre. 155. Non, 153, 151. Pourquoi que j'ai 155, 153? Ça se peut pas. Non? C'est 153, 151. Bon, okay. Je m'excuse. Mais je peux vous dire que c'est 153, 151. Je vais vérifier mes notes. On les a comptées. Je vais vérifier mes notes, puis je vais vous rappeler. Mais en tout cas, vous êtes sûrement mieux placé que moi. Où il y a eu erreur. De toute façon, non, mais c'est parce qu'il y avait 304 députés. OK. Il y avait 304 députés, il n'y en avait pas 308. Fait que le journaliste qui avait écrit ça, lui a dit, il y en a 308. Non, il y en a 304. OK, c'est beau. En tout cas, de toute façon, ça a été adopté par deux voix. Par deux voix, ça veut dire que vous auriez changé votre fusil d'épaule, comme on dit, et ça n'aurait pas passé. Ben, vous arrêtez. On me donne un pouvoir que je n'ai pas, là. M. Paradis vous a donné un pouvoir que vous n'avez pas. Très vitement, j'aimerais ça qu'on parle, parce que j'ai ça ici, en quelque part. M. Paradis vous a indirectement accusé d'avoir maintenu le registre. Mais... Mais vous emmenez grand, vous, au Parlement, M. Lemay. Merci beaucoup. C'est vraiment un... C'est pas un pot de fleurs, ce sont des fleurs. Mais je vais vous dire, le registre, il est là. Okay? Oui, il est là. Il est faut là, faire avec. On l'enregistre. Et... Bon. Moi, ce que j'ai dit, et je vais le répéter ici pour tous vos auditeurs et auditrices, puis surtout mes chasseurs et chasseuses, puis bon, tout le monde... Oui, là, parce que j'en ai 20 000. Il l'aime pas. Puis je les comprends. Alors, nous, ce qu'on a dit, c'est... Bon, là, il est consulté près de 5 à 6 000 fois par jour par les policiers, etc., etc. Donc, on le garde. Mais une fois qu'on a dit ça, là, il faut maintenant faire ce qu'on a dit qu'on ferait, c'est-à-dire y enlever les irritants. Bon. Ouais, exactement. Et c'est quoi les irritants? Ben, vous en donnez juste un. Je trouve inacceptable, et je le dis ouvertement, je trouve inacceptable que l'on ait tendance à prendre des chasseurs pour des tueurs potentiels. Ça, ça n'a pas d'allure. Ça, c'est clair, je l'ai dit, je l'ai répété. C'est ce que le registre fait. Et c'est clair. Donc, il faut enlever les irritants qui font ça. Mais de quelle façon? Moi, là, j'ai déjà été un chasseur. Je pense que je connais un peu ça, moins bien évidemment que mon ami Pelletier, que je salue en passant à l'Université du Québec et qui s'occupe de l'Association de la faune du Québec. Mais un chasseur qui a 5 armes et qui est obligé d'enregistrer 5 fois
puis qu'il y a 5 permis différents, puis qu'il s'en va à chasse, puis qu'il se trompe de permis, que les policiers arrivent, ils enlèvent non seulement sa carabine, mais ils font un casier judiciaire. Ça n'a pas d'allure. Ça a tout simplement pas d'allure. On enregistre son trailer, on enregistre son skidoo, on enregistre... Ouais, ça, là, monsieur, ben... ouais, regarde-là, le j'ai beau de vous laisser aller, oui. Puis je suis d'accord avec vous, mais pourquoi d'abord que vous avez... Pourquoi que vous n'avez pas dit au gouvernement, on va appuyer... À la condition que... Puis mettre des conditions bien claires, spécifiques... Non, 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 Le NPD l'a fait. C'est pas ça, là. Le gouvernement, ce qu'il voulait par ce projet de loi d'une députée d'arrière-ban, puis si vous me parlez d'arrière-ban, elle est assise dans la cinquième rangée, Mme Epner, là, et elle n'a même pas de fusil, on voit que c'est une commande. Ce que le gouvernement voulait faire, c'est enlever... abolir le registre des armes à feu pour ce qui est des armes d'épaule, armes d'épaule étant bien évidemment les armes qu'on va à chasse. Là. On est dans plein temps de la chasse. C'est ça qu'ils voulaient faire. Nous autres, on a dit, non, il faut le garder, mais enlever les irritants qui font que tous les chasseurs sont en beau cimetière après ça. Pourquoi? Je reviens, puis 3 secondes, pour vous dire, écoutez, une immatriculation. Pourquoi on n'a pas une immatriculation? Aujourd'hui, ça se fait avec les systèmes informatiques. Tu as toutes tes armes sur le même petit papier. On t'envoie ça une fois par année. Monsieur Lacasse, avez-vous encore telle carabine, telle carabine, telle... Ça, là, oui, merci beaucoup, bonsoir. Ça, Monsieur Lemay, là, je suis d'accord. Ben, c'est on peut-tu dire à 1500%? Ben, c'est ça qu'il faut faire. Mais oui, mais allez-vous vous lever ben en chambre? Oui. Pis... c'est ça qu'on va faire. Ben... attendez, je vais vous dire pourquoi on va faire ça. Allez-vous le faire? Oui. Vous allez vous lever en jambe et dire à votre chef, avant, vous allez dire à votre chef avant, garde le Gilles, il faut qu'on fasse ça. Oui, j'ai déjà dit. Gilles, M. Duceppe, et la porte-parole en matière de sécurité publique, Maria Mourani, on a convenu qu'on préparerait des amendements. On est en train de regarder ça. Mais pourquoi vous ne prenez pas celle du NPD? Moi, je l'ai dit ici, le NPD. Regardez. Vous avez raison. Avez-vous peur d'appuyer le NPD? Non, attendez. Le NPD a déposé son projet de loi, parce que c'est un projet de loi privé, ils ont déposé ça, puis c'est mon ami Charlie Angus. Fait que Charlie Angus, il est de l'autre côté, vous le savez. Si vous ne le savez pas, il est Témiscamingue James Bay. Oui. Il est juste au bord du lac Témiscamingue. Il est juste au bord, c'est ça, oui. Alors, vous comprenez qu'on s'en est parlé. On s'en est parlé, il a déposé ça. Le vendredi où la Chambre a été ajournée pour une semaine pour la fête de l'Action de grâce. Alors moi, je ne l'ai pas vu encore, le projet de loi. J'ai vu, comme vous, des articles d'un journaux que le NPD a déposé un projet de loi, mais je veux le lire. Et là, on va s'asseoir. On va regarder les amendements. Et ce que dit le gouvernement, c'est si vous enlevez la pénalité criminelle, il paraît que le gouvernement fédéral a plus de juridiction là-dessus. Là, l'avocat en moi a dit un instant, M. Paradis, parce que c'est exactement ce que M. Paradis m'a dit, parce qu'on s'est parlé en dehors de la Chambre, suite à la lettre qu'il a envoyée. Ah, vous vous oui. Ah, oui. Mais M. Paradis, il me dit... Ça, bon, pour ceux qui ne connaissent pas M. Paradis, c'est le bras droit de M. Harper au Québec. Puis M. Paradis, il me dit, Christian, il dit là, écoute, si vous enlevez ça, ce que vous voulez faire, on perd juridiction. Là, il dit, attendez un peu, on va le regarder. Moi, je veux le regarder, mais moi, j'ai de la misère à croire ça. Je pense que le gouvernement fédéral, par la loi, par exemple, sur les oiseaux migrateurs, si vous commettez, vous allez tuer des outards alors que vous n'avez pas le droit d'en tuer, vous commettez une infraction, donc c'est quand même des infractions. Mais ce que je veux enlever, il faut enlever le fait qu'on a un casier judiciaire. Ça, il faut enlever ça. C'est ça, parce que vous faites vérifier et vous n'avez pas votre petit sticker, comme on dit, là. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas votre beau petit papier, vous passez... au point de vue de la justice et de la loi, la même chose qu'un criminel qui a fait un meurtre. Je le sais. Loco! Non, Houston. Est-ce quelqu'un qui m'entend? Non, Houston, we have a problem. et vous avez raison, c'est exactement ça. Mais ça pour pouvoir sens. Faire ça, il fallait qu'on sauve le registre. Bon, il est sauvé, parfait. Il n'est pas sauvé tout le temps, ils vont venir, parce que les conservateurs, ils vont venir. Ça va prendre comment de temps? Ah, ben, faut le faire, demander. On peut faire ça, justement, par règlement. Alors, je veux voir le projet de loi pour voir est-ce qu'on peut activer les affaires pour passer ça rapidement. Moi, ça me tente de vous faire une petite gageure très, 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 très minime, là, mais une petite gageure que si on se revoit, mettons, au mois d'avril ou mai, on va être encore au même point avec le registre des armes. Et c'est possible. Oui, mais c'est... Non, c'est... attendez, je vais vous dire pourquoi c'est possible. Puis je tourne pas autour du pot, je fais pas de la politique de langue de bois, parce que si on se retrouve en élection, projet de loi, il meurt. Oui, c'est vrai, exactement. Alors, il faut voir... Mais est-ce que M. Harper, parce que M. Harper, il dit ici là qu'il va continuer sa campagne pour mettre fin à ce registre. Donc, il peut en faire une question d'élection. Il pourrait en faire une question d'élection, mais il l'a pas fait. Il le fera pas? Non.
Moi, là, une chose, je sais que vous n'avez pas vu des amendements du NPD. Non, je vais vous donner juste une note, puis essayer de m'expliquer c'est quoi, parce que moi, je comprends pas, là. Donner certaines garanties en vue du respect des droits des Autochtones. Bon, ça, c'est... Ça, c'est quoi? Ça, c'est le fait que les Autochtones, et ça, c'est un autre débat, les Autochtones, OK, légalement parlant, n'ont pas besoin de permis pour la chasse, n'ont pas besoin d'enregistrer leur arme à feu. Donc, ils peuvent aller à la chasse n'importe quand, n'importe où. Bon, et c'est des droits constitutionnels qu'ils ont en vertu de l'article 35. Fait que les autres, il ne faut pas leur toucher. Ben, c'est ça. Alors, voilà, il va falloir qu'on regarde ça de près. Est-ce qu'un autochtone... Ben, je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner, moi, je pense, en tout cas, je comme pas de parole là-dessus au niveau du bloc, moi, je pense que les Autochtones qui vivent en réserve, oui, ça s'applique, mais selon moi, ça ne s'appliquerait pas pour un Autochtone qui vit hors réserve. Je m'excuse, mais un Autochtone qui vit à Rouyn-Noranda ou à Val-d'Or, pour donner l'exemple précis, selon moi, il ne vit pas à Lac-Simon, il ne vit pas à Winnoway, il ne vit donc pas dans une réserve, donc il doit se conformer à la loi. Et la loi a dit qu'il faut que tu enregistres tes armes à feu. Si tu me dis, je suis un Autochtone enregistré au conseil de bande de Lac-Simon, ben garde, enregistre tes armes au Lac-Simon, mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut qu'on... Parce qu'il faut comprendre une chose, M. Lafleur. Moi, le chasseur, il ne m'intéresse pas. C'est l'arme qui m'intéresse. Je veux qu'on soit capable de suivre l'arme. Le 12 ou le 410, il est rendu où? Ouais. Le reste, là, le chasseur... Mais, là, allez-vous, avec ça, être capable de suivre les AK-47? Oui. Alors, vous êtes capable de les suivre? Ben, les AK-47... J'attends votre suite. Monsieur Lemay, j'attends encore la liste si moi, des AK-47. Il y en a qui sont enregistrés. Oui, j'aimerais savoir. Bien, c'est confidentiel. Oh, OK. Mais je peux vous dire qu'il y a des 37, il y a des 45, il y a des 9 mm, parce qu'il y a des armes de tir. Ici, en Abitibi, il y a des clubs de tir. Alors, il faut qu'on respecte ça. Moi, je vais vous dire, là, il y a du travail à faire là-dessus au cours des prochains mois. Il y a du gros travail à faire. Ah, il y a du gros travail. Dans le respect des chasseurs. Une seule minute, tant qu'à avoir un gouverneur général du Canada, pourquoi qu'on n'a pas gardé Mme Jean, que moi, je trouvais quand même extraordinaire? Parce que les conservateurs n'en voulaient plus. OK. C'est juste ça. C'est carrément ça. Parce que si la chicane a pogné le jour où Mme Jean a décidé qu'elle réfléchissait afin de savoir si elle allait accepter la coalition, oui ou non. Vous vous rappelez la prorogation de ça? Oui, là, exactement. Ben voilà. Et ça a fini là. Ça a fâché M. Harper, puis il a dit prepare yourself, your luggage is outside. Parce que tant qu'à avoir, parce qu'on nous impose un lieutenant-gouverneur. On nous l'impose. Fait que 125 tant qu'à nous l'imposer, tant qu'à nous l'imposer, aussi bien en avoir un ou une, bien une qui est jolie. Et qui est charmante. Qui est charmante, qui sait représenter le Canada dignement. Mais là, on va l'avoir avec M. Johnston. M. Lemay, merci beaucoup. On va se revoir en 2011. J'en suis persuadé, parce qu'au fédéral, il y a aussi beaucoup de choses. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.